Aïe, 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 et oui, c'est bien devant moi, devant mes yeux. Bonjour, il n'y a pas de musique. Alors attendez, avant toute chose, j'ai pas encore lancé, hein, c'est la première fois que je lance. En vrai, ça va, je suis passé en retard. Je voulais lancer le plus tard possible, mais bon. Alors. Oh putain, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça? Déjà, ça a l'air de... Non? Oui, ça marche. Et là, ça marche pas. Ah non, c'est bon. On va jouer en français, hein. De type passé. Ah, mais d'accord, ça commence fort. Achète, here we go again. Merci. Voulez-vous vraiment jouer en français? Oui! Ah, c'est parti. Pas de musique? Votre progression dans l'aventure est sauvegardée. D'accord. Pas de musique? Ah! Oh là Aïe 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 aïe, bonjour! Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien dans ce moment un peu difficile, hein, comme on le dit. Parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un peu la merde. Mais on va passer quelques heures où, au lieu de penser à votre propre malheur ou à votre propre bonheur, hein, votre propre malheur si vous travaillez dans la restauration, dans les musées, dans les écoles ou ce genre de trucs, votre propre bonheur, évidemment, si vous êtes collégien, lycéen et compagnie, eh bien, aujourd'hui, je vous propose, au lieu de penser à votre malheur ou à votre bonheur, à penser au malheur de de type votre streamer passé. préféré, comme on Oh l'appelle. shit, here we go again. Exactement. Exactement, merci Bescomu. Du coup, voilà, on va jouer à Pokémon Donjon Mystère De type en passé. live. Du coup, le nouveau Let's Incroyable Play. Mirai, figure est Et de retour sur PDM. très honnêtement, alors, Doudou. est-ce que j'avais vraiment envie de faire ce jeu? En vrai, je pense que si j'avais dû l'acheter, je l'aurais pas acheté tout de suite. De type Mais passé. Nintendo Petit m'a cadeau pour me envoyé. remercier de combler mes moments de solitude en jeu plus petit que 3. Merci beaucoup. Nintendo m'a envoyé le jeu. Donc du coup, bon, si c'est gratuit, j'ai tout compris, comme on dit. C'est ça l'idée, non? Bon, allez, voilà, nouvelle partie. Donc, alors, on commence avec un test, hein, je crois. Hein. Réponds franchement aux questions. Bien sûr. Ah, je vais répondre franchement aux questions. Vous me connaissez. Voici le portail qui mène au monde des Pokémon. Avant de vous laisser entrer, j'ai quelques questions à vous De poser. type Je veux que passé. vous y répondiez avec sincérité. Franklin, j'en pouvais plus On peut d'attendre de plus commencer? petit que 3 avant. Ah. Gloire à toi, Fildrom. Merci beaucoup. D'accord, c'est parti. Le test, attention, c'est parti. Ok. Un voyou s'en prend à quelqu'un dans une rue animée du centre-ville. Que faites-vous? J'interviens sans hésiter. J'ai peur, mais j'interviens. J'appelle la police. La peur me paralyse. Bam, mon premier don pour le jeu favori de Fildrong, Alors, évidemment. je pense que je suis le genre. Je vais flipper un De type peu, mais je pense que je passé. suis le genre qui va Ma tombe est intervenir. jalouse, Je ça rend suis fou un que peu tu trop aies si peu ce qu'à plus petit interventionniste. que 3. Et pour. Ah, ouh, bah dis donc. Merci pour vos dons. Très honnêtement, ça m'est déjà arrivé d'intervenir dans des bagarres de gens. Ça m'est déjà arrivé de protéger une fille dans un bar qui était entourée par trois gars. Et elle avait l'air complètement perdue. Et moi, j'étais arrivé en mode, bon, les mecs, vous voyez bien que vous la saoulez. On s'en va. Il m'avait un peu De embrouillé et type tout. Et passé. moi, j'étais en mode, c'est bon, on va pas se Salut. battre. Allez Voilà trouver. enfin la Aller suite de trouver la quelqu'un chronique qui sera chaud et incroyable. tout. Et finalement, on avait discuté, ça s'était bien passé. Donc j'ai peur, mais j'interviens. Fake. Non, non. J'ai peur, mais j'interviens. Avec votre main droite, attrapez un doigt de votre main gauche. Le pouce, l'index. Ah bah voilà.
Ça, c'est quel doigt déjà? Quel menteur. Oui, bah, si j'en... Alors, j'en ai absolument rien à foutre que tu me croives ou pas, gros. C'est l'index, oui, c'est l'index. J'ai récupéré l'index. On remercie le bug des 5 minutes, évidemment. Le bug des 5 minutes arrive, hein, n'oubliez pas de voilà. Vous devez vous décider entre deux cadeaux, le gros ou le petit. Alors ça, c'est un peu... Parce que finalement, si tu réfléchis, dans les petits cadeaux, t'as des livres, t'as des smartphones, t'as des consoles, des petites consoles. Donc finalement, est-ce que le choix intelligent, ce serait pas le petit cadeau? Très honnêtement, moi qui suis plus un mec qui aime bien se faire offrir des bouquins, des mangas, des BD et des jeux vidéo, je pense que je dirais le petit. J'ai souvent des petits cadeaux parce que moi j'ai souvent des livres en fait. Je travaille dans les écoles émoticônes plus ronds, mais merci Fifou. Et voilà. Je t'aime l'ami plus petit que 3. Vous découvrez un coffre au trésor, que faites-vous? Je l'ouvre immédiatement, rien c'est un piège, rien n'est survenu. Bah on l'ouvre. Il y a un coffre au trésor, évidemment que tu vas checker ce qu'il y a dedans. Après, ça, c'est un coffre au trésor, donc si c'est un coffre genre au trésor, je l'ouvre, clairement. Qui, non mais attends, qui n'ouvre pas ici un putain de paquet de coffre au trésor? Est-ce qu'il y a vraiment des gens ici qui disent « moi je vais pas ouvrir les paquets cadeaux et compagnie » Très honnêtement, est-ce qu'il y en a? Je pense franchement que personne n'ouvre pas le coffre au trésor. Aimez-vous faire la fête avec vos amis? Attends, sérieusement, aimez-vous faire la fête avec vos amis? Oui ou non? Ça veut dire que oui, j'aime faire la fête avec mes amis ou non, j'aime pas faire la fête avec mes amis. C'est le... Genre, à chaque fois, il y a des choix, genre... Tu pourrais mettre genre oui tout le temps, oui de temps en temps. Non, là c'est oui ou non. Bah, non mais du coup, c'est bon, alors je dirais plutôt... Non mais c'est horrible parce que du coup, je vais pas dire non parce que... Évidemment que j'aime bien de temps en temps faire la fête avec mes amis, mais en même temps je suis quelqu'un qui sort très peu. Je suis quelqu'un qui est assez solitaire comme personne, c'est-à-dire que je suis très tranquille chez moi, je me sens pas obligé de sortir tous les week-ends ou ce genre de truc. Et finalement, les moments où je fais la fête avec les amis sont assez rares. Mais quand je fais la fête avec mes amis, j'adore. Donc oui, j'aime faire la fête avec les amis. Parce que la question c'est, est-ce que j'aime faire la fête avec mes amis? C'est pas, est-ce que tu fais souvent la fête avec tes amis? Donc oui. Avez-vous tendance à imaginer des choses pour vous amuser? Imaginer des choses. Ben, j'aime bien inventer des histoires. C'est pour ça que je fais du let's play et des streams et tout. Donc on va dire oui. Aimez-vous vous battre? Alors, attendez les mecs, est-ce que c'est le Fildrong actuel ou est-ce que c'est le Fildrong de 19 ans? Parce que la réponse serait différente. on va dire que c'est le Fildrong actuel. Aujourd'hui, je n'aime plus me battre. Fut un temps où c'est vrai que j'avais tendance à... J'étais le genre de mec qui rentrait un peu dans les embrouilles assez facilement. Mais on va dire non du coup. Non parce que j'ai grandi et j'ai mûri. Êtes-vous souvent en retard? Très honnêtement, je suis rarement en retard. Tout simplement. Voulez-vous incarner un garçon ou une fille? Un garçon. Ah bah j'ai fini du coup. Voilà, attention! Bon alors, idéalement, je suis carapuce là, normalement. Vous êtes plutôt du genre impatient. Petit passier. Je suis impatient, moi. Les enfants seront toujours là. Stratégie drôle. Merci beaucoup. Vous êtes plutôt du genre impatient, ok.
vous aimez prendre les choses en main pour qu'elles soient bien faites. C'est pas faux, ça. Vous êtes pugnace, mais faites attention au stress. Ouais, vous avez tendance à vous énerver quand vos amis arrivent en retard. Quoi ? Peut-être quoi ? Quoi ? C'est quoi ce truc ? Non, je suis pas le genre à m'énerver quand mes amis arrivent en retard. Vous éprouvez de la frustration lorsque les choses prennent un tour inattendu. Bah non, pas vraiment. C'est quoi ce truc ? Vous êtes du genre à appuyer frénétiquement sur les boutons pour appeler l'ascenseur s'il met trop de temps à arriver. Mais trop pas ! Je suis un mec hyper chill en plus. Oh là là. Vous êtes sûrement en train de marteler le bouton A en ce moment même. Non. Vous gagneriez à apprendre à vous détendre. Mais je t'emmerde ! Pardon. Non, c'est vrai qu'il faut que je me détende. Quelqu'un d'impatient comme vous doit être un carapuce. Petit passier. Un Evoli ! Choisis une femelle en mais c'est nul, Evoli ! Et lancer une histoire fictive. Ah ouais, je sais pas si ça marche. Je suis un Evoli. Bah oui, c'est tout moi. Mais en même temps, on va... Non mais on va pas changer, les mecs. On va pas changer. Non mais on va pas changer, on va pas changer. On respecte. Voici la dernière étape. Choisissez votre acolyte. Qui sera votre partenaire? Alors moi, il me faut Goinfrex. Il est où, Jean-John? Qu'est-ce qui va bien avec le type normal? Psycho-quack? Bon, imaginez, on va prendre le lore. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le lore? Jean-John, qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-John, les mecs? Eh ben, Jean-John, c'est extrêmement simple, en fait, ce qui s'est passé. C'est que, après avoir perdu Fifou, qui venait du futur. Je vous explique l'histoire, parce que c'est assez incroyable ce qui s'est passé. En fait, il s'est mis à aller à la salle. D'accord ? Il est allé à la salle et il est devenu sec et musclé. Oh là là, un machoc. Comment s'appelle votre partenaire ? Il s'appelle Jean. Jean-John. C'est le même, il est juste... Attends, on peut pas mettre un... Ah si, c'est bon. C'est Jean-John, mais voilà, il en avait marre d'être gros et que tout le monde se moque de lui. Et du coup, bah voilà... Je peux pas l'appeler. Ah non, j'ai plus de place. C'est Jean-John, les mecs. C'est Jean-John. Il est allé à la salle, valider plus. Le nom Jean-John. Oh là là, le retour de Jean-John. Oh là là, Jean-John, il est allé à la salle. Oh, il est trop fort. Oui, je veux confirmer mon choix. Par contre, j'ai pas de nom, moi. Il est temps de vous envoyer dans l'univers des Pokémon en avant. Je rappelle dans le chat, pas de spoil. Hein. Où suis-je ? Suis-je en train de rêver ? Je sens une légère brise, c'est agréable. J'entends une voix. Et là, la légère brise, c'est Jean-John qui me pète dessus. Qui est-ce ? Trois petits points. Hé ! T'as assez dormi, allez debout ! Oh ! Mais c'est Jean-John ! Il me pétait bien dessus ! Oh, t'émerges enfin ! Oh là là ! Ouh là là ! Primo Kriok, Primo Kronon, Meia Garay Kaza, tout shiny. Oh. Ça fait 2 ans que j'avais promis. Ah, merci Futoka. MDR, j'ai pas oublié. Quel est cet endroit ? T'étais dans les vapes, mais heureusement tu t'es réveillé. Je m'appelle Jean-John, heureux de te rencontrer. Et toi, t'es qui et tu viens d'où ? Quel est mon nom ? Quoi ?
T'es un être humain, mais tu t'es regardé. T'es un Evoli. Ah merde, attends, on voit pas les têtes. Je suis trop sur le côté. Oh, mais c'est vrai, je suis un Evoli. Mais pourquoi? Comment? Je me souviens de rien. Ah mais on voit pas la réaction de John. Mais attendez, mais je me mets où moi? T'es un peu bizarre, dis donc. Et sinon, c'est quoi ton nom? Mon nom? Je me rappelle. Fifou! Toujours, hein, évidemment, hein, les aventures de Fifou. Le nom Fifou vous convient-il? Bien sûr! Petit passier. Fifou, tu dis? Retour du meilleur YouTube. Mais attendez, mais quand, comment je me mets? Pokémon plus petit que 3. Parce que là, on voit pas les... On voit pas les... Je regarde depuis le... Je sais pas où me mettre. N'y croit pas plus petit que 3. Attendez, j'ai une idée. Salut à tous, c'est Filon. C'est marrant comme nom. S'il vous plaît, à l'aide. Oh, déjà. Hein, quelqu'un appelle à l'aide. Oh, c'est Papillusion. Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible, mon chenipan est tombé dans une grotte, mon pauvre bébé. Quoi? Une énorme fissure s'est ouverte dans le champ et mon chenipan est tombé dedans. Il est trop jeune pour sortir de là tout seul, oh quel malheur. J'ai essayé de le sauver, mais des Pokémon l'ont attaqué. Comment? Mais comment ils ont fait ça? C'est fou. Peut-être que c'est à cause de la fissure. Oh, ça va, je trouve. Mon pauvre bébé, que faire? Ah non, c'est une fille. Que faire? Ah, merci beaucoup pour vos dons. On peut pas rester les doigts croisés, il faut aider ce petit. Fuck BDM. Bon, alors attendez, je sais pas où je me mets en vrai. Je rigole pas. Ah, mais on commence direct. Tiens. Bon, en vrai, je me laisse ici, hein, j'ai pas le choix. Je ferai peut-être un... Sinon, je peux me mettre là-dessus, en vrai. Allez, on se met là-dessus. Tu me diras, c'est mieux que rien, en vrai. Hein. Allez. Tiens, mais on dirait... Mais oui, c'est un donjon mystère. Un donjon mystère. Les donjons mystères portent vraiment bien leur nom. Chaque fois qu'on y rentre, ils changent de forme et les objets qu'on y trouve sont différents. Papillusion a dit qu'elle a été attaquée par des Pokémon dans le coin. Faut qu'on fasse attention. Ah oui, d'accord. Appuyez sur A pour lancer une capacité. Sauve-moi, Fifou. Mewtwo m'a enfermé ici et m'a fait redevenir petit. Ah là là. Tu vis des instants terribles. Non, Chenipan. Alors attends. Ah oui, c'est ça. Non, attends. What? Non. What? Alors attendez, on va y arriver. Ah! Météore. Non mais... Excellent. Non, alors attends. Impossible de changer de meneur. Non mais... D'accord, ok. Donc j'attaque comme ça. Ok. Ah, on passe des bons moments. Ah bah j'ai déjà trouvé l'étage. Voulez-vous continuer? C'est Y. Ah, c'est Y. Ah oui, c'est ça, c'est Y, merci. Ah bon, à ce point-là? Allez, paf! C'est stylé maintenant le menu des attaques. Oh là là, parfait, merci du spoil. En vrai, c'est stylé, en vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, comment? Petit passier. Michel Stardou est mort du Connemara virus ce matin. Ah, merci pour la blague. Qu'est-ce que tu fais, Jean-John? Ah bah, c'est mon nouvel entraînement. C'est mon nouvel entraînement, T-Bone Shape. Ah, regarde, tu vois, Fifou, là, je fais des petits sauts, ça s'appelle. Ah, c'est très efficace, hein. Ouais. Alors là, en fait, on dirait pas, mais je suis en train de muscler les abducteurs. Ah oh, putain, il est trop fort ce genre de job. Ah, j'ai bien changé, je te jure. Maintenant, je suis bien musclé, hein. Et attends, il y a L, c'est le déplacement automatique.
je fais rien, il joue tout seul. Ah oui, d'accord. Mais c'est sympa. Ah bah c'est efficace ce jeu. Merde, attends. Merde, j'ai déjà oublié comment on fait les attaques. Ah oui, comme ça. Ah mais c'est bien. Regardez. Vous voulez... Attention. Hop. Ouin. Maman, où est ma maman? Non, chenipan, on est là pour te sauver. Hein? Ta maman t'attend dehors, sortons d'ici. D'accord. Ah, j'ai réussi avec brio le sauvetage dans le donjon petit bois. Mon bébé est sain et sauf, je ne sais comment vous remercier. Bah donne-moi de la thune. C'est rien madame, faites attention, il y a de plus en plus de secousses et de fissures. Je suis bien content que votre petit chenipan aille bien. Merci pour tout, je ne vous ai même pas demandé vos petits noms. Moi c'est Jean-John. Petit passier. J'ai bien changé récemment. Appuie sur B un fois tout en te déplaçant quand ton allié te jean. C'est Jean-John. Et voici Fifou. Salut, j'ai changé. Ouah, vous êtes trop cool. Oula, on dirait qu'il vient de rencontrer une vedette. Il a les yeux qui brillent, c'est un peu gênant, mais ça fait plaisir, j'ai l'impression d'être un héros. Secourir des Pokémon en difficulté, c'est plutôt gratifiant. Alors attends. Je veux que vous vous mettiez un peu dans la place. Tu es un humain. Tu passes ta journée, voilà, il y a des news du coronavirus, les écoles sont fermées, c'est incroyable. Puis tu t'endors et tu te réveilles dans la peau d'un Pokémon. Tu dois aller sauver directement un Pokémon et là, tu sauves le Pokémon et tu te dis secourir des Pokémon en difficulté, c'est plutôt gratifiant. Mais non, tu ne te dis pas ça. Tu te dis... Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Pourquoi je suis un Pokémon? Je comprends rien. Pourquoi je sauve des chenilles? Tu vois, enfin, tu vois. Hein. Merci Jean-John et Fifou. Merci pour ton nom aussi. Une résugraine. Une pépé chat. Merci pour tout. Au revoir. Allez, à demain. Merci pour le coup de patte. Tu te débrouilles pas mal du tout, respect. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Paniquer. Tu sais pas où dormir, suis-moi. Oh là là. On y est. Ouah, je ne sais pas pourquoi. Mais cet endroit respire le bonheur. J'ai beau être un être humain, je me sens bien ici. Si je m'écoutais, je sauterais dans tous les sens, j'adore. Peut-être que je ressens ça parce que je suis un Evoli. Alors, viens-vous, ça t'embouche un quoi? Je le savais, on se sent tout de suite à l'aise ici. N'importe qui tomberait sous le charme. Ça, c'est ta boîte aux lettres. Oublie pas de lire les lettres que t'envoient les autres Pokémon. Tu te souviens de la crevasse dans laquelle Chenipan est venu? Il y a plein d'autres catastrophes naturelles de ce type en ce moment. Des tas de Pokémon sont victimes et moi, je veux les aider. Ah, mais il n'y a pas de guilde. Je veux que tous les Pokémon soient en sécurité dans ce monde. Oh, on va peut-être pas se faire exploiter par Pijako et Gros Doudou. J'ai vu comment t'as sauvé. Ça te dirait de monter une équipe de secours? Je refuse. Quoi? Oh non, allez. On formerait une équipe de choc. Allez, s'il te plaît. Non, on peut pas dire non. Pourquoi tu me laisses le choix dans ces cas-là? On est partenaires. Il va falloir trouver un nombre. Ah bah. Petit passier. Bling bling, mais casse-toi. Que tu as une barre de faim. Ah, merci beaucoup pour le backseat qui commence. Allez, le retour de Zizi Quest. Hein. La quête du Zizi. Zizi Quest est de retour. Oh là là, le retour de la seule, l'unique Zizi Quest. Vous serez les Zizi Quest, bien sûr. L'équipe des Zizi Quest, ça en jette. Au fait, je gardais un truc de côté pour le jour où je serai dans une équipe de secours. J'en ai deux, en plus ça tombe bien, portons-les fièrement. Le foulard. Ah, attendez.
attendez, parce que c'est vrai que je suis sponsorisé quelque part. Mais moi c'est marrant, mais ça le fait un peu moins quand même. On dirait que... Ah non, non, hein, c'est... Petit passier. Aïe, 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 aïe. Comment font les pocs pour écrire des lettres? Ils ont pas de main la plupart. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, je sais pas comment. Dès demain, on part à l'aventure. Cette histoire se déroule avant Explorateur. Donc, Machoc devient Dragon frère. Mais non, mais arrête, ça suffit. Tu changes pas la timeline. Fifou et John commencèrent leur carrière de secouriste. Comme ça? Mais ça n'a aucun sens. Comment? Tu débarques, tu te transformes en Pokémon, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de devenir un secouriste et de créer une équipe tu de secours. Dans ce PD, ça ne marche pas. Je suis pas là, je te piquerai pas ton argent. Eh bah tant mieux. Mais c'est pas logique, c'est le début d'un jeu le moins logique que j'ai jamais vu de l'entièreté de ma vie. Le lendemain matin quoi, mais... Mais Is, tu es un humain, tu ne dois pas dormir. Je suis toujours un Evoli, je me demande pas pourquoi. Merci Saitama, McFly. J'ai beau me creuser la tête, je vois pas. Et voilà, il repart avec un sourire. D'ailleurs, l'autre Pokémon, comment il s'appelle déjà? Ah oui, John. Oh voilà, oh là là, je me rappelle même plus de John. Ça spamme les cœurs. Ah, c'est les derniers survivants du live de Redemption. Bisous à tous. Il tenait à ce qu'on forme une équipe de secours à deux. Je me demande ce qu'il fait. Voyons ce qu'il se passe dehors. Oh là là. C'est quoi ces animations? Non mais, what? C'est quoi ces animations? Oh là, les animations sont pourries! Regardez! Regardez comment je cours! Mais c'est pas du tout comme ça que ça court, hein. Oh, what the fuck. C'est quoi, c'est horrible. Oh, oh, comment ils ont osé. Non mais attends, mais ils sont sérieux. Non mais les mecs, ça court pas comme ça, un Evoli. C'est quoi ce truc? On dirait que je glisse. Oui. On voit à peine que je bouge. Ah, oh, c'est scandaleux. C'est un peu scandaleux quand même, hein, faut... Ah oui, genre... John dit tant comme un clodo dehors. C'est bien, John. C'était exactement l'endroit où tu devais dormir. Je suis fier de toi. J'étais tellement impatient que je suis venu ici super tôt, mais je me suis rendormi. Non, non, c'est là que tu dors, John. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour notre équipe de secours. Qu'est-ce qu'il y a, Machoc? Enfin, pour ça, faudrait qu'on ait des demandes. Mais il y a plein de demandes, là, dans le courrier. Vérifions quand même la boîte aux lettres. John est aveugle. Il y a plein de lettres. La boîte aux lettres contient un kit de secours. Je le savais, c'est le kit de secours. On reçoit toujours un quand on crée une équipe. Il contient un bac de secouriste, une boîte à objets et un numéro du journal Pokémon. Trop bien! Il y a plein de trucs pratiques dedans. Le badge de secouriste prouve que tu fais partie d'une équipe de secours. La boîte en objet permet de stocker les objets des donjons. Ah, merci beaucoup John, hein, qu'on embrasse. Je te laisse dans la boîte aux lettres. C'est tout, il n'y a rien de plus là-dedans. John regarde à nouveau. Mais elle est vide. Non, rien. Normalement, on reçoit les demandes de sauvetage par courrier. Et voilà, on n'a pas reçu de demande de sauvetage. On vit des instants terribles. C'est... Comme on est une nouvelle équipe, personne ne nous connaît. J'ai le seum. Hein, c'est quoi ce bruit? Un bec qui pend. Plop. Oh. Oh là là. Contenu de la boîte objet. D'accord. Bon, moi, je vais continuer à glisser sur le sol. Je sais pas ce que t'en penses. Tu loues pas ton courrier? Ah, oh, putain. Trop dirigiste, ce jeu. Mais regardez comment je me déplace, ça n'a... Oh, putain. Par contre, John, je te déteste déjà. Il me saoule déjà. C'est peut-être une demande de sauvetage, ça dit quoi? Fifou lit la lettre. Chenipan nous a parlé de vous. Aidez-nous, les magnétistes sont en danger, une mystérieuse vague d'électroménager a jailli d'une grotte. Deux magnétiques collés ne suffisent pas à faire un magnéton, je vous en prie. Aidez-les! On y va? Non. Bah pourquoi? C'est notre tout premier sauvetage.
J'adore comment la musique s'arrête, ça me rend trop bien. Désolé, mais les animations, on dirait un remake fait par un fan. Merci. J'adore le fait que la musique, là... Bon, d'accord. On va se donner à fond. Putain, j'ai jamais le choix, ça me saoule. La grotte est claire. Vous voilà, bzit. Nos bzit sont dans un bzit. Allez, c'est parti. Grotte est claire. Voilà, je peux foncer avec B. Ah, on peut pas foncer en même temps qu'on... Appuyez sur B pour ouvrir directement la boîte à objets. Je laisserai personne te faire du mal, Fifou. Tu peux compter sur moi. Voilà, alors, Y. Oh là là. X. Non. R. Non. Non. Je vais y arriver. Ok. Vive attaque. Oh, il a casse-brique. Oh, il a défoncé. SH, quel plaisir. Merci beaucoup. C'est bien, on voit les escaliers sur la carte maintenant. Ah non, c'est juste un Voltorb. Piste au point. Chargeur. Oh là là. Quel combat incroyable. Alors attends. Non, vous m'avez dit Y. Oh voilà, c'est bon. Morsure. Putain, mais j'ai des super attaques. Oh là là, on est trop fort. Pour l'instant, ça va. Le jeu, ça va. Je peux me déplacer. Un ratata. Faisant... Attends, double combat. Reculez-vous dans un couloir. Non, jamais. On va bolosser... Putain, j'arrive... J'ai un peu de mal avec les... Ça va venir. Allez, Météor, c'est mon attaque la plus forte. Oh non, il m'a chargé. Ça fait mal. Oh, il a piste au point. Oh, c'est trop stylé, cette technique. Vous avez vu ce que j'ai fait? C'est ma technique fourbe, j'appelle ça. Regardez ma technique de fourbe, vous êtes prêts? Quelle technique de gros bâtard! Tu recules, le Pokémon y réfléchit pas. Si vous tombez KO, machin, ok. Oh, un Elekid, ok. Et... Charge! Oh, il m'a paralysé, le bâtard! Oh, et le piste au point pour finir, par contre. J'ai été paralysé. Ah, il m'a griffé. Bâtard, je te défonce l'anus! Oh là là, non mais en vrai, ma choc piste au point, c'est méga fort, en fait. Oh, voilà un ratata. Il m'a mimiqueté. Charge! Oh, mais le combo, il est insane! Oh là, mais je suis beaucoup trop fort, c'est ça le problème. Ok. Oh là, il y a des Pokémon. Non, ils vont me trouver! Non, c'est bon, regardez. Oh, ils m'ont pas vu. Regarde. Posipi. Charge! Oh là là, Machoke, beaucoup... Je vous avais dit que Machoke, c'était le meilleur Pokémon du jeu. Et vous me croyez pas, vous étiez en mode, ouais, non... En même temps, c'est Jean-John. Jean-John, il a déjà vécu un traumatisme, les mecs. Il a perdu Carapuce. Donc... Oh non, mais ça fait trop mal, ça! Bâtard! Ouais, donc, Jean-John, il a déjà trop souffert. Attendez, j'ai perdu la vie. Comment on fait déjà pour se régénérer?
sans bouger. Oh là là, ça y est, on est déjà arrivé. Oh non, ils sont bloqués! Les voilà, faut les sortir de là vite! Oh, on va te sauver. C'est B plus A. Oui, mais B plus A, ça marche plus. J'ai accompli le donjon. Nos comptes sont. Nos corps sont. Oura. Quel soulagement! Merci de les avoir sauvés. Vous recevez une grosse pomme. Vous recevez une baie orange. Vous recevez 650 Pokédollars. Oh oui! Oh, Pijako! Pijako, c'est pour toi! Ah, ce doigt, c'est pour toi! Ah, Pijako qui est pas là pour me prendre 90% de mon argent! Oh là là, le kiff! Ça m'a épuisé, je vais rentrer dormir. Ah, mais j'ai ma maison carrément, d'accord. Oh bah, moi, ça y est, je suis un Pokémon, c'est officiel, hein. Oula! Ça, c'est quand tu commences à un let's play Donjon Mystère mais que t'es pas sûr de vouloir. Où suis-je? Est-ce que je suis en train de rêver? Oh, je sens une présence. C'est quelqu'un que je connais? Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, c'était le rêve le plus pourri de la vie, quoi. Je crois que j'ai fait un rêve, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais il était nul, en fait. T'étais dans le blanc. Putain, alors, j'ai mangé de l'oignon, et j'ai les yeux qui piquent à mort, là. C'est terrible. Le scénario est bien épais et bouclier. Oh non, on n'a pas de demande de sauvetage. Salut, Fifou, t'es matinal. T'as déjà regardé dans la boîte aux lettres? Il y avait quelque chose pour nous? Non. Merci pour ton don. Pas une seule, merci beaucoup pour ton don. On vient juste de commencer. Pas la peine de déprimer, allons plutôt sur la place Pokémon. Il y aura plus peut-être des demandes de sauvetage à la poste. Non, je suis désolé, mais... On va te laver les mains. J'avoue. Voici la place Pokémon. Oh, il y a les Kecléons. Ici, c'est le magasin Kecléon. Salut. Ça, c'est la banque Persian pour mettre ton argent en sécurité. On dirait les pubs de la Société Générale. Vous voulez mettre votre argent en sécurité? Oh oui, comboter. Oh, on va comboter. Oh oui, on va linker. Attendez, on va linker. On va linker. Laisse-moi revenir en arrière, fils de pute. Réserve Kangourex. D'accord. Est-ce que je peux comboter mes objets? En bas, là, il y a Dojo Makuhita. C'est pourquoi. C'est l'endroit idéal pour t'entraîner. D'accord. Pratique, c'est commerce, hein. Je peux, s'il vous plaît. Il y a aussi la poste d'équipement. On devrait pouvoir y trouver des infos. Non, attends. Je veux comboter mes... Ouais. Bienvenue à la combo boutique. Ah, on va lier des capacités. Vous pouvez lancer des capacités, nanana. Si vous lisez chiffre et charge, nanana. Ah ouais. Demande de l'énergie, vous aurez donc faim plus faim. Ah ouais, mais... On va lier... Alors, c'est quoi déjà? Putain, charge à 100% de précision. Portée de case. Météore, c'est spécial. On peut mettre genre... si on veut faire des gros dégâts, on fait morsure into météore. Non, attends. Météore, ça peut pas rater. C'est bien ça. Qu'est-ce que je link? Charge et morsure. Charge et morsure. Je fais charge into morsure qui peut flinch. Y, c'est parti.
Attends, et je veux lier aussi... Je veux lier aussi des trucs. Oh là là, il a casse-brique point karaté. Non mais alors, attendez. On va linker... Point, force et casse-brique. C'est quoi la différence? Non, attends. On va linker point karaté et force, voilà. Voilà. Ça, c'est pour faire des gros dégâts sur les boss. Que puis-je faire d'autre pour vous? Rien. Parfait. Y a quoi en haut? Étang de Barbicha. Oh, il est trop marrant! Ah, mais c'est 3G, le premier Pokémon Donjon Mystère, du coup. De profondes crevasses apparaissent un tout peu partout, c'est fort ennuyeux. Oh non, si tes ennemis y apparaissaient. Regardez, je peux courir. Ah bah là, là je suis un peu mieux animé. Mais là, je suis animé comme un cul, regardez. Mais regardez comment je marche, c'est même pas physiquement possible en fait. Oui, je suis si rapide. Et on va à la poste. La poste Bekipan. Oh, c'est trop chou. C'est une tête de Bekipan. Merci Fildron pour ce moment. Tous les Pokémon envoient leur appel à l'aide ici. T'imagines, t'as besoin d'aide, tu envoies, t'envoies une lettre à la poste. Allez, on va faire des missions de sauvetage. Je ne retrouve plus mon chemin. On a tout pris, hein. Ok. T'as vu toutes ces annonces? Allez, il faut aller dans le donjon. Oh là là. Au moins, c'est bien. On part direct, tu vois. Il n'y a pas... ils assument qu'il n'y a pas de scénario, en fait. Là, littéralement, le seul point de scénario qu'on connaît, c'est... Et je rigole pas. Il y a des secousses. Vous pensez que je viens du futur? C'est votre première visite. C'est ici que les secouristes pour aller sauver leur poste en galère. Oh, on va... Oh, on va se faire sauver! Vous pouvez même souvenir... Si vous aidez quelqu'un... Non, mais alors, attendez, on va aller sauver des gens. Hein. Non, mais vous viendrez me sauver quand je suis en galère, c'est trop bien. Non, mais j'espère que vous serez prêts. Bon, alors, du coup, on va où, maintenant? Par là, je suppose. C'est quoi, ça? Tu veux devenir balèze? Ah ouais, bah, on va faire un... Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va faire un ticket assiduité. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non, il faut des tickets. Attends, entraînement de base. Non mais... Ah oui, d'accord. C'est le tuto, en fait, ici. Je peux aller quelque part ou pas? Faut que je parte à la... Ouais, comment on va au donjon? Attends. Je cherche les touches. Hein. Ah, non. Ah, voilà, carte. Non, ça c'est mission acceptée. Là, c'est la poste. Peut-être à gauche. Là, un donjon, c'est par là. Oh là là, allez, on va sauver le monde. Et si on allait secourir les Pokémon? Allez, on y va, on est tous copains, super. On va aller au petit bois. Il y a un gros butin, alors on va au petit bois. Je trouve ce jeu si laid. Ah, tout le monde aura son avis sur la question. Oh, je préfère ne pas me prononcer sur... sur le jeu. Oh non, je vais me faire... Non, je vais me faire... Je suis obligé de me faire gangouan. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, la double attaque. Ah.
Oh là, on a one shot. Non, mais y a rien ici. Ouais, Jean-John, tu refais ton entraînement de T-Bone Shape. Bah écoute, oui, Fidlong, regarde. Je... Oui, voilà. Hein. Casse-brique, c'est cadeau. Oh, mon premier level up, incroyable. Jean-John, qui level up. Et moi, toujours pas. Hein. Non, mais il level up plus vite que moi, parce que forcément, bah, à force de faire ses entraînements... Hein. Posipi se trouve à cet étage. J'arrive, Posipi, je vais te sauver. Ah bah, il est là. Mais il était... Il était juste là. Oh! Voulez-vous quitter le donjon? Non. Nous, on est des ouf. On continue. Il y a un grand coffre. Attention! Un roucoups! Ouf. Oh, 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 oh. Et le level up de Fifou. Oh là là, attention, il y a des Pokémon. C'est trop bien, on voit les Pokémon. Oh. Ok. Si tu le fais, c'est parti, les mecs. Qui viendra te sauver, X. Bah oui, c'est ça, mais j'ai trop hâte d'être sauvé. Oh là là, la double attaque. Et il claque un trésor. Le coffre élégant. On est en train de se... On est en train de se faire plein d'argent, là. Plein d'argent, plein de coffres. Non, mais... Bon, d'accord, ok. Oh, non! Non. Voulez-vous continuer? Oui. Ah, non, mais on, nous, on va au bout, hein. On est des ouf. Petit passier. Oh, là! Plus, ah, la pute! Oh. Aïe! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai des yeux? Merci pour ton don, merci beaucoup. Pourquoi j'ai des yeux autour de moi? Je suis vu. C'est ça l'idée. Alors regardez, regardez, vive attaque. Oh, je l'ai one shot. Oh non! Ah la pute. Oh! Oh! Tiri-ri-ri-ri. Les sprites. Oui! Ah bah voilà! Quoi? Oh, j'ai eu des friandises irisées. Ça a été envoyé à la réserve Kangourex. D'accord. Merci beaucoup pour votre aide! Une écharpe def. Oh, ça a été envoyé à la réserve Kangourex. On en a assez fait pour aujourd'hui, on mérite un peu de repos. À demain. Le lendemain matin. Ah, ça fait du bien. Ça fait déjà 3 jours que je suis un Pokémon et que j'en ai absolument rien à foutre parce que ça change pas ma vie, j'ai l'impression. Oh. Qui dit nouvelle journée, dit nouvelle mission. Non mais attendez, ça suffit quoi. C'est quoi ça? Un petit trou, 2 petits trous, 3 petits trous, trous, creuser des tunnels, ça me met de bonne humeur. Mince alors, je suis où? Qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, je m'appelle Topicker, je m'amusais à creuser des tunnels devant la poste Bokipan. Ils ont changé le scénario, tu viens du passé. Ah merde, je me disais aussi, merci beaucoup. J'ai pas fait gaffe et je me suis retrouvé ici, j'ai fait plein de trous dans votre jardin. C'est pas grave, c'est juste des trous. C'est mon jardin. Et c'est très grave. C'est très très grave. Vous m'en voulez pas? Si, je t'en veux. Regardez. Attends. Mais attention, si t'en creuses trop, les gens risquent de tomber dedans. D'accord, je ferai gaffe. Je reboucherai les trous si j'y pense. Mais quel fils de pute! Il m'a laissé un trou, là. Plop! Ah, une lettre. Bonjour. Courrier. Oh non, mais... Oh, 2 tickets assiduité! Attendez, on va aller voir
Makuhita. C'est vrai qu'il n'y a que des Pokémon de la 3G, donc c'est clairement, clairement 3G. Je vais utiliser des tickets assiduité. Entraînement assidu. Pour participer, il faut que tu me donnes un ticket assiduité. Allez. Un ticket assiduité. Sur Fifou. C'est parti pour un entraînement assidu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est parti! Ah! Vite, faut que j'attaque parce que j'ai que 45 secondes. Ah non, on peut juste taper. On peut juste taper. Je te défonce. Je te défonce. Ah le bâtard, il me écume. Il la garde large. Vas-y! Plus vite! Abri! Oh non, bâtard! Je l'aurai jamais. Il a fait abri. Encore un! Vite! Vite! Ah! Je donne tout! Oui! Oh là là, montée de niveau! Ah j'ai! Oh là là, je suis niveau 7! Ah, on continue, hein. On en refait un, il me reste un ticket assiduité. Ok, maintenant j'ai compris. Tu fais L et ensuite tu bourres. C'est parti. Plus vite. Arrête de faire écume. Oh putain. Je donne tout. Non mais, tu peux? Merci. Oh, il y a des Dracos. Oh, j'ai des forces. Vite! Plus vite! Plus vite! Encore! Encore! Oh, je... Allez! Je te téléphone! Téléphone ta gueule! Il reste 7 secondes, 6 secondes. Encore un. Allez, non. Vite. Oui. Incroyable. Montée de niveau encore. Oh là là. Ça y est, je monte de niveau. Niveau 9. Regard touchant, c'est quoi ça? Baisse l'attaque de la cible. Non mais je m'en fous, moi j'attaque. Moi j'attaque. Je protège pas. Quel entraînement, qu'est-ce que t'en dis? Bah j'ai plus rien donc Oh là, je suis beaucoup trop fort. Regardez, il y a Machoc qui me regarde. Il y a Jean-John, il est en mode 3 petits points en mode t'aurais pu me laisser m'entraîner. Mais Machoc, tu n'as pas besoin de moi pour t'entraîner car tu as l'entraînement de Thibaut in shape. Bon allez, allons-y. J'avais d'autres missions je crois. À la grotte éclair, j'ai 3 missions. À la grotte éclair, j'ai 3 missions. Oh là là, mais ça va être... Grotte éclair, moins 1. Negapi vous accompagne. Ah bon? Mais d'où? Oh là là, regarde. Vas-y, Jean-John, tu prends de l'XP quand tu fais ça. Oh, il a fait chargeur. Petit fils de pute. Je vais finir par y arriver, hein. Regardez, B. Double combo, bam, bam, double attaque. Mener Negapi jusqu'à Voltorb. Oh putain, le pauvre, il se fait bolos. Ah
Ah mais quand je fais A, en fait, ça utilise une attaque au hasard. Je croyais que ça utilisait l'attaque de base, mais pas du tout. Ah mais quand tu fais A, tu utilises une attaque de base. C'est plus, y a plus vraiment de charge. Voilà, j'ai sauvé. Bravo, vous avez réuni Négapi et Voltorb. Mission accomplie. Mais on a encore des missions, hein, on va pas s'arrêter là. Merci beaucoup. Allez, hop, à plus. Non. Oh. Regardez le passé. Et voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah mais je suis trop con, les escaliers sont au début. Mongoldrong. C'est pas grave, il y avait les objets. Voilà, il y avait des pierres et des pics. Voilà, ça va se friter contre un ratata. Ah oui d'accord, mais en fait t'as même pas besoin de te prendre la tête à choisir tes attaques dans les combats simples. En vrai c'est cool. Attendez, je me gratte l'oreille parce que j'ai l'oreille droite qui gratte de ouf. Shunipod se trouve à cet étage. Ah non, les bâtards. Oh. Oh, oh, il dit bye bye à la fin. Voici Shunipod, le Pokémon. Mission accomplie. Oh là là. On est en train d'enchaîner tellement de missions, les mecs. Passez me voir à la poste. Petit passier. Maintiens B plus direction pour passer Jean Dio sans le pousser, car tu ta femme. Ah, je le pousse! Donc quand il est devant, en fait, là, je le pousse, là. Il maintient B enfoncé. Ah, mais non, mais c'est moins drôle. Ah, je préfère l'entraînement... Je préfère mon entraînement... Mon entraînement Thibaut in shape, hein. Je suis désolé, mais... Attends, c'est quoi ma dernière mission? Comment je fais déjà? Carte, information d'équipe. Non. Stop! Attends, comment j'active le... l'émission? Allô? Ah, voilà. Information d'équipe, paramétrage des capacités, choix de tactique, examiner le sol, examiner les environs. Mission acceptée. Il faut donner une BP chat à nœud 9 au niveau 4. D'accord. Bah il est là, il est là nœud 9. Voilà, il attend qu'on lui apporte une BP chat. Une roupie graine. Ah oui, c'est... D'accord, c'est pas mal. Oh là là, le Voltorb, on est en train de lui passer devant. Bonjour, tu veux une BP chat? Voulez-vous lui donner cet objet? Allez, on lui donne une BP chat. Nonof a bien reçu la BP chat. Mission accomplie. Fifou monte son badge. Oh là là, incroyable. Je quitte le donjon? Non. Moi, je quitte pas le donjon, moi. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, je quitte pas le donjon, les mecs. Hein. Ouf. Oh, mais alors, Jean-John, il est aussi fort qu'avant. Il est très con, mais il tape fort. Bah, c'est Jean-John, quoi. Par contre, j'ai faim. Je commence à avoir faim. Moi je continue, hein. Niveau 5. On est trop fort. Il a dit oh là là. Oh là là. Ça fait mal. Oh. Oh combo. Oh le pauvre. Puissance. C'est parti. Oh là là, le level up. De Jean-John. Qui passe niveau 7. Cool, mon niveau augmente. Merci beaucoup. Une huile max. Ça, c'est bien. Les huiles, c'est bien.
Et si un jour vous voulez pimenter votre vie sexuelle, un peu d'huile, et hop, passier. En poussant ma choque, tu vides ton estomac, hashtag mongoldrong, et lave ton bâche. Alors, tiens. What the fuck? Moi je comprends pas pourquoi manger une baie au rang ça restaure pas la faim. Genre si tu manges pas de pommes, c'est foutu. Yay! Merci, sans vous je n'aurais jamais pu rejoindre Voltorb. Vous m'avez bien mérité cette récompense. Oh là là, un orbe capacicool. Merci beaucoup pour votre aide. Un bandana féroce. Ah c'est trop bien ça, attendez, il faut qu'on équipe les objets. Un calcium. Les objets que vous avez reçus, nanana. On en a assez fait pour aujourd'hui, on mérite un peu de repos. À demain. À demain. Oh. Encore un rêve. Bon, est-ce que le rêve va être un peu plus mieux? Hein? Encore ce rêve? C'est encore cette présence. J'entends une voix, j'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit. Le sol tremble, c'est un séisme. Oh là là, c'est de plus en plus violent. Pour un rêve, ça paraît drôlement réel. Le lendemain matin. Oh là là, le scénario, c'est encore mieux que Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Temps, hein. On cherche Fifou. Quoi que j'ai fait Explorateur du Ciel. Oula, tu poses des trous chez moi. Il y a eu un séisme. Une tragédie s'est abattue sur nous. Topiqueur. Il s'est fait topnapper. Il a été emmené au sommet d'une montagne. C'est beaucoup trop haut pour nous. Nous ne pouvons pas y aller. Oh non. C'est Hermure. Bam, boum, quand il attaque, je le déteste. T'es tiré, batté. Petit passier. J'ai même pas eu le temps de répondre. Topiqueur s'est fait enlever. Je dois aller le sauver. Non. On va sauver Topiqueur. De toute façon, on a fait toutes les missions. Coucou Fifou. Hein, on est venu te réclamer de l'aide, tout à fait. Notre fils Topiqueur a été topnappé. Nous comptons sur vous, sur vous. D'accord, il est apparu sous les roches. Hein. Ah d'accord. Il s'est fait topnapper. Faut pas traîner. On va le sauver. Bon alors attends. D'abord, je dois passer à la réserve pour prendre des objets. On va commencer à déposer des trucs. Comment on trie déjà? Ah, Y. Oh oui, parfait. Ou alors les grosses pommes. Non mais merci. Comment on fait déjà? Ah oui, c'est R, sélection multiple. OK. Donc on va déposer. Tac tac. Ok, maintenant, retirer. Il me faut... ça. Et un calcium, attends, calcium, c'est pourquoi? Augmenter... ah, mais l'attaque spéciale, je veux pas l'attaquer. Ça, c'est... comment on utilise les friandises? Je peux même pas les retirer, pourquoi je peux pas les retirer? Hein? Bah... à consommer, il y a marqué, mais j'arrivais pas à lire. À consommer dans un camp ou je sais pas quoi, bref. Boîte à objets. Alors, ok. Écharpe def. Non mais, comment j'équipe le... terrible désillusion. Merci beaucoup pour ton sub, Sukaina. Il y avait un mec qui m'avait dit d'aller dans le trou. C'est quoi le trou? Oh là là! Hein? Lol. Comment j'utilise le...
Les objets s'équipent durant les donjons, d'accord. Bon bah on va au mont acier, hein. Topicor doit être tout en haut. Ah du coup on va monter, on va pas descendre. Le sommet correspond à l'étage 8. Oh là là, on va à l'étage 8, c'est tellement loin. Ok, bon on y va, allez. Moi j'attends que Masco apparaisse. Mon acier rez-de-chaussée. Ok, alors attends. Donc maintenant là, je peux équiper des objets. Bandana féroce donnée à Jean John. Car il est féroce. Et je donne la def à Fifou. Car c'est lui qui tanque les attaques. Oh là là! Aïe! Mais ça suffit, monsieur! Merci. C'est le premier donjon difficile. Je sais parce que... pas du tout, je sais pas. Non, ça suffit maintenant! Heureusement, je suis au niveau. Je suis niveau 9. C'est bien que Jean-John soit un peu plus intelligent dans ce jeu. Allez, on monte. Mont acier 1. Oh les putes! J'ai pris un piège explosif, je me suis fait défoncer l'anus! Oh, il y a un marchand qui est Cléon. Aïe! Mais! Aïe! Mais! Mais! J'ai mal! Attendez, vous m'avez dit B plus bas. Non, mais non. B plus bas. Vous m'avez dit R plus A. Ah oui, c'est ça. Wow! Attention, le marchand Kecléon. Bienvenue! D'accord. Nous, on cherche l'escalier, monsieur Kecléon. Oh là! Attention, un balbuto! Il a fait tout rapide. Ça fait mal! Parfait. C'est bien les petits commentaires. Tu te sens... T'as l'impression de participer au truc avec les Pokémon. Bon, alors par contre, classique Fidrong, je ne trouve... Ah, c'est bon. Oh, il y a un Beldum! Alors, attends. Lui, il est vénère. Lui, on va choisir l'attaque. Il a tanké. Oh là là, c'était un sacré Pokémon. Oh, on a eu de la chance. On va juste récupérer les objets. Non. Oh, ça va, c'est de la merde. Oh. On se casse. Oh non, c'est vrai, il y a les maisons de monstres, j'avais oublié. Oh non, un Medikita, putain. Alors par contre, Jean-John Thibaut InShape, il est un peu vénère maintenant, hein. Il a changé, hein. Avant, tu vois, Jean-John, c'était le mec un peu gentil et tout. Maintenant, c'est... Non, il est pas gentil, il est agressif. Il balance des pistopoints dans tous les sens. Oh, il a fait polyroche! Oh, il va tellement vite! C'est bien, on voit les ennemis. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont pratiques. Hein. Non mais attends, mais le coup critique... Oh, j'ai pris le choc mental, putain, ça fait tellement cher. Trop fort. Allez, l'escalier est là. L'escalier est là. Bah, y a pas le choix en fait. Enfin, si. Ah putain, il est pas là. Oh, 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 le combo. Oui, il est là. C'est parti. En avant. Voulez-vous continuer? Ouais, il va falloir qu'on gère la fin. Oh là là! Oh, on a changé d'ambiance.
Oh non, je commence à avoir faim, les amis. Est-ce que vous avez fait vos courses coronavirus? N'oubliez pas, hein, évidemment, de prévoir 50 paquets de pâtes. Oh, attention, il dort. Chut. Discrétion. La discrétion est morte. Oh non, j'ai faim. Je pense pas que ça suffira pour arriver au sommet. Oh. Excellent. Oh, ma capacité charge a augmenté. Et Jean-John qui passe un level, mais je suis inarrêtable. Aïe. Pouah. Mais alors le combo triple attaque là, c'est assez vénère. Oh putain, j'ai si faim. J'ai faim. Alors vous m'avez dit je peux mettre Machoc en dernier, en premier. C'est qui pour toi le meilleur poseur de Sticky en 8 grammes? En 8 grammes? Ça doit être Rubombelle. Non, j'ai faim. Vite. Objet. Pomme. Oh, ça y est. J'ai moins faim qu'avant. Putain, mais la faim, ça descend super vite dans ce donjon mystère ou c'est moi qui... Super, merci beaucoup pour ce moment. Petit passier. Ouf. J'en ai les moyens. Un plus gros dé que je peux promis, plus petit que 3. Mais je pousse Jean-John, là, comme un mongol. Ah, c'est bon. Je donne tout. C'est quand que je trouve une... Oh là, le combo là. Est-ce que je trouve un jour une salle avec un escalier? Oui, il est là. Moi, c'est 7. Oh, la chance. Non mais Pistopin c'est trop fort. Oh, j'ai plus de PP. Mais ça va, je crois que c'est restauré. Oh là, ça y est, on est le premier boss du jeu. Les mecs, il est temps d'utiliser tout ce que j'ai appris. Ça va, on est là pour te sauver. J'ai peur. Oh non, il est si méchant. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? On est là pour sauver ton piqueur, laissez-le partir! Mais quel toupet, ce sale fouisseur et sa famille, non ce qu'il m'irrite! Je n'arrive plus à fermer l'œil de la nuit avec tout... Ah, mais c'est eux qui tremblent la terre! Mais non, pas du tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, mais c'est pas de leur faute! Silence! Je vais vous apprendre le respect! Si on était dans Naruto ou One Piece, là, il aurait dit... Oui, tu as raison, je deviens gentil. Enfin, surtout dans Naruto. Hashtag pain. Alors attends. Ah oui, je peux pas me mettre sur lui en fait. Faut que je tanque, hein. Oh putain, il me fait trop cher, ça fait tellement mal du cul. Ok, ok. Alors, il faut que je... Comment je fais pour choisir les attaques de... Attends. Normalement, on peut faire... Paramètres des capacités. Jean-John. Activer, désactiver. Ok. Donc on va désactiver Pistopoint et on va désactiver Casse-Brique. Comme ça, il fait que point karaté. Et voilà. Ok, et maintenant, ok. La musique est épique. Et nous, on va faire notre charge morsure.
et un mur à la trouille. Combo! Oh putain, oh, je l'ai défoncé. Je donne tout! Flinch! Bam! Bam! Oh, il a raté la griffe acier, beaucoup trop fort. J'esquive! Comme Bitantron à l'époque. Oh, il est mort là, 100%. Oh là, on est beaucoup trop fort. Hermure est mort! Oh là là, beaucoup trop fort. Vous m'avez vaincu! Oh, c'était une fille! Oh, vous m'avez vaincu, je me vengerai! Ah bah alors, Hermure, on s'est fait éclater l'anus! Eh, hey, Hermure est partie, ça y est, t'es sauvé, descends vite! Je peux pas, j'ai trop peur! T'en fais pas, on va venir te chercher! Comment? Oula! Ouah, il est profond, ce précipice! Comment on va faire? On peut pas traverser ça! Hop, zap, zap, zap! Les magnétiers de l'autre foin! Ils vont le choper! On nous a prévenu, on se charge de sauver Topiqueur. Accroche-toi bien! On va t'électrocuter. Ah non, on va pas t'électrocuter. Je me dis. Et du coup, là, ça veut dire qu'ils ont vu sous Topiqueur. Les magnétis, oh mon dieu. J'ai l'impression que mes. Topiqueur a des jambes? D'accord. Oh, ça fait sens, hein. Ses jambes? Quelles jambes? T'es sain et sauf, c'est l'essentiel. Ouais, c'est vrai. Oh, tu es là, quel soulagement. Très haut piqueur qui va sortir du sol. Mais papa! Tu n'es pas blessé, je n'ai rien. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est plutôt les magnétis, on n'aurait rien pu faire sans eux. Oh non mais attends, what the fuck, c'est nous qui avons battu le boss et tout. Notre forme évoluée est aussi un trio. Faut se serrer les boulons. Fifou, Jean-John, merci encore sur ce. Donne-moi de l'argent. Une huile max. Une guérigraine. 800! Oh là, on est trop fort. Attendez, ça vous dirait de rejoindre notre équipe? Rejoindre votre équipe? Sans vous, on n'aurait jamais réussi. On aurait encore besoin de votre aide. T'es d'accord, Fifou? Oh, la Magnétis, c'est stylé. Ça a l'air intéressant, mais dans ce cas, nous aurions besoin d'un endroit où nous installer. C'est-à-dire que pas vraiment, non. Je vois. Tant pis, nous ne pouvons pas rejoindre votre équipe. Au revoir. Rejected. Oh, bah zut, c'est dommage. Ils ont pas tort, faut qu'une équipe soit à côté pour être toujours prêt à partir. Faut de quoi loger les Pokémon. Mais attends, on va faire notre propre... Je vais faire ma propre guilde. Oh, il y a Gros Doudou. Il a dit il y a Gros Doudou. Je vais le retrouver, je vais le défoncer. Encore un rêve. C'est encore ce rêve. Garde-voir. J'entends quelque chose. Un être humain, mon rôle. Attends, s'il te plaît. Je m'en sers, s'il te plaît. Non. Je n'entends plus rien. Oh là là, garde-voir. J'ai tellement envie de te faire l'amour. Est-ce que Evoli peut se reproduire avec garde-voir? Est-ce que Evoli peut se reproduire avec garde-voix? Salut Fifou, tu verrais ta tête, t'as mal dormi. Tu fais des drôles de rêves, quel genre de... Quand il bouge, il fait ça. Fifou, t'as dit que t'étais un être humain. Attention, vous êtes prêts? Attends, merde, attends. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu veux redevenir un être humain? Tiens, c'est vrai que je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi. What the fuck? Je sais pas, t'as pas l'impression que maintenant... Tu es poilu et tu te lèches l'anus.
Est-ce que je veux redevenir un être humain? Ben oui. Ah d'accord. T'étais un être humain, c'est tout à fait normal de vouloir le redevenir. T'étais quel genre de... Quand j'étais un être humain... Comment j'étais déjà? Oh, je n'arrive pas à m'en souvenir. Un humain qui fait des rêves humides sur Gardevoir sexy en fait. Exactement. T'as même oublié ça, c'est pas grave, ça reviendra. Je suis sûr que t'étais bien là. Est-ce que je suis quelqu'un de bien, les mecs? Est-ce que moi, je suis quelqu'un de bien? Mettez-moi une note sur 10. Direction le club camping. Non, parce que là, si c'est moi, vous avez plus de vidéos YouTube, là, actuellement. C'est foutu. C'est où le club camping? Le club camping. Que de catastrophe! Quelle catastrophe! De plus en plus de Pokémon créent leur propre équipe de secours, mais c'est trop bien. Attends, il est où le club camping? Heureusement, je me dé... Ah, peut-être dans la niche. Ah, attends. Oh putain, lui. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même? Bienvenue au club camping. Oh, c'est la première fois que vous venez. Je vois. Ah non, il a l'air un peu moins mongol. Quoique, vu sa gueule... Vous avez frappé à la bonne porte, au bon comptoir. L'organisme de secours m'a envoyé ici pour aider l'équipe comme la vôtre. Attends, c'est le vrai gros doudou? Monter un camp coûte de l'argent. 3 camps gratuits, c'est parti. Campi, campa. Campadabra. Vous avez désormais des camps dans les plaines sauvages, le bois des brumes et sur le plateau azur. Et voilà, vous savez tout. Tu ouvres des gants gratuitement, quel heureux hasard. Peux-tu en ouvrir hein, la centrale? J'aimerais faire partie de leur équipe. Bien sûr, je suis d'humeur générique. Campi, campa, campadabra. Et voilà, le camp de la centrale est prêt. Le camp de la centrale... Tu veux une grosse pomme, gros doudou? Tout ce qu'il désire, c'est rejoindre votre équipe. Oh, on va accepter de le recruter. Bien sûr, c'était notre idée à la base. T'as entendu? Tu peux les rejoindre. Je vais faire de mon mieux, je suis content. Magnéti niveau 7. Non! Non! J'ai mis non! Mais pourquoi c'est non par défaut? Ah là là! Je suis deg. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que des gens se disputent. Non, j'en ai marre! Tu as baisé ma mère! Il faut l'aider. Hors de question, nous n'acceptons pas ce genre de questions. Mais il suffirait d'une rafale pour l'aider. Il se passe quoi? Quel tohu-bohu? Kotovol a besoin d'aide, mais ça n'intéresse personne. Tu vois ce Pokémon, celui avec le nez pointu, c'est Tangalis, lui aussi a une équipe de secours, mais il n'accepte que les missions très bien payées. Un instant! Oh, mais c'est Alakazam! C'est lui, le fameux Alakazam! N'as-tu donc pas de cœur? L'ami de Kotovol n'a pas besoin que d'un simple coup de vent. Et tu peux y créer des rafales avec tes feuilles. C'est un jeu d'enfant pour toi, aide-le donc. Bon, c'est d'accord. Ouah, respect, il a accepté sans broncher, c'est qui? Tu ne les connais pas, c'est Alakazam et ses acolytes. C'est l'équipe de secours la plus célèbre des environs. Lui, c'est Dracofeu, il peut faire fondre avec du lance-flamme. Et lui, c'est Tyrannosif, il possède une force et une armure impénétrable. Et voici leur chef Alakazam. Il se bat avec ses pouvoirs psychiques. Il a un QI de 5000, comme Kirby 54. Merci infiniment. Si quelqu'un refuse de t'aider, signale-le moi. Au revoir. Voilà, la classe. Oh là là, comme ils sont beaux. Moi aussi, quand je serai... Oh! De type passier. Excusez-moi. Ah, merci beaucoup. Que vous arrive-t-il? Que se passe-t-il? J'espère que vous avez tous baillé. Rien, tout va bien. Oh non, c'est comme Nocturne Noir. Oh là là, c'est Nocturne Noir. C'est la même chose que Nocturne Noir. J'ai une de ces trouilles. Trop classe. Faut qu'on devienne comme eux. Super. C'est ce qu'on va voir. Oh non, encore des méchants.
Aïe, 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 aïe. La team crâne. Terrible désillusion. Salut, on va encore sauver plein de Pokémon aujourd'hui. Ah, voilà la poste. Bonjour, au revoir. Plop. Tu viens du futur. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Alors, journal Pokémon. Les friandises irisées sont dans ce douceur. Arrivent dans les camps. Qui dit camp dit friandise. Qui dit friandise dit camp. Pourquoi ont-elles autant de succès? Parfois, elles permettent d'apprendre de mystérieuses capacités cool. Des friandises irisées. Pour être les meilleurs, manger des friandises irisées. Trop cool, il y en a trois, on va pouvoir les partager avec Magnetti. Bah non, je vais toutes les manger moi. Attends, mais je vais chercher à la réserve Kangourex. Retirer. Ah, je peux pas les retirer? Je dois les prendre depuis la réserve, d'accord. Moi je mange tout moi-même, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Magnéti doit être au camp de ce... Ah, c'est trop bien. Centrale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Modifier le nom. Ah putain, ça y est, on est sauvé. On va l'appeler... Didier. Didier le Magnéti. Oh là là, parfait. Le nom Didier vous convient-il? Bien sûr. Bon alors attends, on va utiliser des friandises. Oh, j'ai gagné la vitesse. Oh, j'ai appris une capacité cool fière équipe. Oh, je gagne plein de trucs. Bon, attends, on va en donner un peu à Jean-John. On en donne 3 à Jean-John et 3 à moi. De la défense. Attends, Jean-John. Il en faut pour Jean-John un peu aussi. Prudence, fifou, prudence. Merci, prudence. Non, mais j'ai gagné de l'attaque spé. Mais j'ai gagné 2 fois de l'attaque spé. De l'attaque spé sur Jean-John. C'est trop nul. Merde. Ah, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais à la poste, c'est ça? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah! Bonjour! Voir le tableau. Oh là là, il y a plein de trucs dans la grotte éclair. On va aller faire... Oh, il y a la grotte péril! On a accepté plein de missions. Allez, on va... C'est parti. On va où alors? On va aller au... On va aller au... À la grotte... Oh là là! Oh, il y a un... Oh, il y a un galopin! Non mais allez, on va aller faire les quêtes de la grotte éclair. On a 3 missions. Oh mais attendez, je peux prendre Magnéti maintenant. Équipe. D'accord. Moi je prends Didier. Oh là là, Didier qui rentre dans l'équipe. En route pour l'expédition. Départ. C'est parti. La grotte éclair. Bon, on maîtrise la grotte éclair. Hein. Attends, stop. 2 secondes. Capacité. Putain, c'est bien foutu quand même. Hein. Enfin, bien foutu. C'est quand même mieux foutu qu'avant. Hein.
Ah bah non, c'est... Si, non, c'est ça. Faut lui remettre. Bon, lui, il a que des attaques bien, donc... Oh, c'est trop fort! Beaucoup trop fort. Nidoran se trouve à cet étage. Je vais te sauver, Nidoran. Vite, à l'attaque! Bonjour, Nidoran. Je viens te sauver. Allez, première mission. Merci, passez me voir à la poste. Avec plaisir. Le rayon signal, c'est abusé, c'est trop fort. Non mais il est insane le Magnéti. Il fait des rayons signal à 1 milliard de portée là. Calmez-vous, monsieur. On attend... Ah mais attends, mais j'ai pas de Befref pour Posipi, je pense. Oh merde, mais terrible désillusion, là. Oh, le level up de Fifou qui passe niveau 10. Ça y est, je monte de niveau. Par contre... Bah oui, mais... Ah non, attends, c'était pas une Befref. Oh, mais si, parfait. Il attendait qu'on lui apporte la Befref qui était littéralement sous ses yeux. Oh là là, heureusement qu'ils sont trop cons dans Pokémon Donjon Mystère, comme ça tu peux exploiter des Posipi. Bonjour. Mais, non mais Didier... Didier, insane. La portée du rayon signal, elle est trop stylée. En plus, ça passe par-dessus, donc c'est trop bien. Non mais Didier, calme-toi. Regardez-le. Ah mais merde, je suis con, le... Bon, c'est marrant le délire Thibaut in shape, mais merde quoi. Pourquoi il veut pas... Oh là. Non, Posipi se trouve à cet étage. On va te sauver, Posipi. Moi vivant, tu seras sauvé. Bonjour, ça va faire mal. Non. Et voilà. Merci. Voulez-vous quitter le donjon? Bah là on peut, là on a fini là. Je veux dire, ça sert à rien de s'acharner clairement. On a accompli avec brio notre mission. Merci beaucoup pour votre aide, vous avez bien mérité cette récompense. Oh, des lunettes volage. Et un orbe gros doudou. De type acier. Oh, 50 points de secourisme. Normal que Didier soit génial, il est de type acier. Exactement. Plus petit que 3. Ah ça y est, maintenant on gagne des points. Bah, on l'a sauvé, on mérite plus que 50. Ok, bah si, alors. Okay. Beaucoup trop fort. On en a assez fait pour aujourd'hui, à demain. Bon, il y a moins de scénarios quand même, hein. Le scénario, il est pas insane, hein. Déjà que dans Pokémon Donjon Mystère de base, le scénario, on peut pas dire que c'était incroyable. Mais alors là, scénario inexistant. Il y a des séismes et il y a garde-voir. Au bout d'une heure de jeu, c'est un peu light quand même. La fin. Merci beaucoup. Sans négapige. Oh mais non, mais on a une mission dans une zone qu'on a déjà... Bon, attends, je vais voir s'il n'y a pas d'autres missions dans la grotte éclair qui sont revenues, mais...
Ah ouais, c'est bon. Non mais on va avoir 1 milliard de missions dans la grotte Péril, ça va être génial. On va aller dans la grotte Péril, les mecs. On va se refaire un petit tour dans la grotte Acier, là. Après, on va aller dans la grotte Péril et on aura 96 missions. Non mais ça va être insane. Ça va être notre objectif. Ah non, merde, je me suis trompé de sens. Pour des adultes, c'est moyen. Moi, il y a un truc que j'adore. C'est que peut-être... qu'il y a des gens qui avaient adoré Pokémon Donjon Mystère quand ils étaient plus jeunes et qui ont joué à Pokémon Donjon Mystère DX. Et en jouant à Pokémon Donjon Mystère DX, ces gens, ils ont compris un truc. Ils ont compris comment je m'étais senti en jouant à Pokémon Donjon Mystère. Parce qu'effectivement, ils doivent se dire « Putain, mais en fait, Donjon Mystère, c'est vraiment un jeu pour gamins. C'est vraiment un jeu pour les jeunes. » Peut-être effectivement que moi qui ai beaucoup apprécié ce jeu quand j'étais plus jeune, c'était parce que j'étais jeune que j'avais adoré. Et peut-être que si Fildrong a pas trop aimé Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, c'est peut-être parce que il n'a plus moins de 12 ans. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont comprendre ça. Et franchement, s'il y a des gens qui comprennent ça, rien que pour ça, ce jeu est rentable. Si, il suffit qu'il y ait deux personnes qui comprennent et c'est rentable. Non, Rattata se trouve à cet étage, vite! Oh, les dégâts. Oh! Oh, le overkill, quoi. Non, Rattata, il a besoin d'une pomme et la pomme est juste là. Bon. Cette aventure est intéressante, merci. Ah non, on le cherchait juste, j'ai rien dit. Pourquoi dans ma tête on en... Ok. Passez me voir à la poste Bécoupant. Après, attention, je vous vois là, pas comprendre ce que j'ai dit. J'ai pas dit le jeu est mauvais, du tout. J'ai dit, what? Posipi, alors non. Posipi s'en va, bah oui, Posipi c'est de la merde. Je dis pas que le jeu est mauvais, je suis juste en train de dire, peut-être qu'il y a des gens qui se rendent compte que le jeu est vraiment fait pour les... enfants. Petit passier. Je lève mais la vraiment. Main à moitié sur cette remarque. Petite déception sur le jeu. Beaucoup l'a quitté le donjon. Non mais. Le magnéti. J'ai même pas le temps d'appuyer sur A, le magnéti. Défonce tout le monde. Mène Posipi jusqu'à Negapi. On arrive. On y va, les enfants. D'abord, on va prendre tous les objets. Non, mais... faut vraiment se calmer. Lui demander de se déplacer. What the fuck? Mais... qu'est-ce que j'ai... Il s'est fait... Il s'est fait téléporter. Merci beaucoup. Parfait. Oui. Bravo, nous avons accompli la mission. Je n'ai jamais... Oh, c'est son âme sœur. On a eu des tickets assiduité. Non mais alors attendez, on va aller faire le ticket assiduité. Merci beaucoup pour votre aide.
Pomme parfaite et virugraine. Non mais... Oh! Oh là là! Il me laisse même pas le choix. Oh, il connaît Récup Boost. Oh, on va l'appeler... Y a qui dans la communauté Pokémon qui a un peu un rat? Parfait. Oh oui, le nom Red Tata est parfait. Merci beaucoup pour votre aide. On a eu plein de tickets d'assiduité là. Non, pas faire de sieste. Bonjour. Mais réveille-toi, connard! Oh putain, j'ai cru que c'était dans le jeu! Mais réveille-toi! Un don pour rattraper ce que je n'ai pas. Merci beaucoup, la loutre, c'est vraiment trop gentil. C'est super nul par ici! Oh ouais, moi j'adore faire les voix des méchants. C'est super nul par ici! Bonjour, la déprime! Ah ouais, alors Charmina et. Bonjour, la déprime! Quelle idée d'installer une équipe de secours dans un trou pareil! Merci beaucoup pour ton don, hein. C'est très très gentil. Vous êtes qui? Oh, regardez, une boîte aux lettres. Ah ouais, regardons ce qu'il y a dedans. Mais vous faites quoi, là? Émoticône triste. Merci, Corona-chan. Super, des demandes de sauvetage. Jackpot. On les prend toutes. Ça va pas, c'est nos missions, bas les pattes. Peu importe qui remplit les missions tant qu'elles soient accomplies. Nous aussi, après tout, on est une équipe de secours. Même si on préfère semer la zizanie. Vous voulez connaître un petit secret? L'équipe de secours, c'est une façade. Ce que nous voulons, dominer le monde. Hein? Dominer le monde? T'as bien entendu. C'est pour ça qu'on se fait de l'argent et qu'on recrute des membres à Mogogogo pour régner sur le monde. On est les maléfiques, l'équipe de secours maléfique. Allez, ciao les nazes. Et attendez. On est vraiment des grosses victimes. Jean-John, la victime, hein, comme d'hab, elle est vide. Ils ont tout pris. Oh non, mais moi, je voulais aller à la grotte où j'avais plein de trucs à faire. Oh, la chance. On va pouvoir faire des missions. Mais quelle victime? Ils ne perdent rien pour attendre. Non, mais je vais même pas relever mon courrier, mec. Je ne vais même pas relever mon courrier. Bon, je rigole. Je vais relever mon courrier parce que... Parce que le jeu le veut, mais... Plus d'amis grâce à l'orbre de Goudoudou. Un orbe Goudoudou. Qu'est-ce que c'est que cette... Les capacités. J'ai des ennuis. Mont Acier. Non mais attends, on prendra après. On ira au Mont Acier après. Pour l'instant, on a 57 missions à faire dans la grotte Jean-Pierre, là. Dans la grotte Péril. Non mais... La grotte Péril, on a 6 missions à la grotte Péril. 6 missions, mais on va à la grotte Péril 100%. Finir le jeu, ou alors c'est juste ce stream. Est-ce que vous voulez que je continue le jeu? Est-ce que ça vous amuse assez pour que ça mérite une continuité? Non mais on a 6 missions à la grotte Péril, les mecs. C'est... Attends, ils ont dit quoi? Les missions... Les Pokémon sont très forts. Oh mais non, mais je vais mourir. Mais attendez, je veux pas mourir. Mais ça va, là, j'ai le level, là. Mais attends, attendez. J'avais oublié. On a oublié d'aller faire de l'XP. Pourquoi tu dis oui à ça? Plus petit que 3. Parce que l'important pour moi, c'est la communauté. Attendez, on va faire un entraînement assidu. Bon, on va entraîner Jean-John. C'est parti. On va les déposer. Allez, c'est parti. Feu. Vite.
Oh là. Oh, j'ai pris tellement rush. J'ai pris tellement cher. Aïe. Sale pute. Putain, mais il fait trop mal avec sa furie de l'enfer, là. Non, mais les Pokémon sont... Oh, il a fait flamèche. Mais putain, mais... Ah ouais, 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 ouais. Venez tous à... Voilà, parfait. Le petit passier. Oh là là, parfait, j'en ai tué 1000. Mais viens. Accent aigu, R. Merci beaucoup. Oui, c'était très bizarre ce que tu as dit. C'est fini. C'est bon. Ah, la montée de niveau. Niveau 12. Ah, maintenant, on va en faire un pour Machoc, parce que bon... on continue, oui. Ticket assiduité S. Pour Jean-John, qui a un peu de retard. On entraîne les deux Pokémon principaux. Progrès incroyable garanti. D'accord. Oh! 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 On fait que des attaques super efficaces, c'est trop fort. Par contre, faut que je trouve le passage. Okay. Non mais attends, mais c'est trop bien, Casse-Brique. Par contre, tu peux arrêter de rater, merci. On gagne tellement d'XP! Parce qu'on fait des... Mais c'est trop fort! On gagne tellement d'XP! Ils sont tous de type normal! Oh là là, je suis en train d'abuser le jeu! Regardez! Regardez l'XP que je gagne! Oh! What the fuck? Revenez, revenez! Je me défonce! Vite! Sola! J'ai dû gagner beaucoup d'XP! J'ai pris 5 niveaux! C'est le jeu qui est comme ça? Ah bon? Ah oui, mais alors attendez, du coup, Evoli est hyper désavantagé, parce que comme je suis de type normal, jamais je trouverai des faiblesses normales. Clairvoyance, c'est quoi? Oh non, ça m'intéresse pas. Je renonce. Oh, il va prendre balayette. Ah, mais attendez, ils ont mis des attaques des nouveaux jeux. Oh, trop stylé. Ça... C'est bien ça, balayette. Casse-brique, c'est fort aussi. Peut-être à la place de force en vrai. Après, force, c'est mon meilleur moyen de toucher les cibles qui sont pas type combat. Plutôt point karaté en vrai. Qu'est-ce que t'en dis, on continue? Bah, j'aimerais bien, mais je ne peux plus continuer. Oh là là, on s'est tellement boosté en puissance. Oh là là. Oh là, je me sens tellement fort. Alors attends, 3 secondes. Alors, on va déposer. Alors déjà, on trie, voilà. Alors, on dépose quoi? Sélection multi, puis le max, on en a des milliards. Béoron, on en a des milliards. Et est-ce qu'on a des trucs à retirer d'intéressant? C'est quoi, lunettes volage? Augmente le coût critique. Je voulais aussi aller linker, lier des capacités, parce que du coup là je les ai déliées. On va lier, je pense, balayette et force, qui sera mon combo ultra puissant.
Surtout, ce sera trop fort contre les boss parce que du coup, on doublera l'attaque. En vrai, c'est trop stylé. Nice. Est-ce qu'on lit des trucs chez Didier? Non, mais Didier, il est déjà tellement bas niveau. Ouais, mais il a rayon signal, c'est tellement fort. En plus, c'est gratuit dans cette version de les trucs. On va lier bombément et éclair. Bon, Ratata, on l'utilisera jamais, hein. Red Tata. Hein. J'ai beau l'aimer. Et enfin, on va stocker bah tout notre argent. Oh, ah, il m'a donné une pomme. Et juste, qu'est-ce qu'ils vendent les Kecléons? Est-ce qu'ils vendent des CT parfois? Ah, il y a les échappes-orbes, c'est bien les échappes-orbes, c'est utile. Ah voilà, CT. Ah, ils ont des CT. Ah, oh, ça coûte cher. Lance-soleil, tonnerre, fatal foudre. Éboulement aussi. Éboulement, c'est trop fort. Il faudrait que j'apprenne éboulement à ma chopper. Attendez, attendez, il me faut éboulement pour ma chopper. Non, mais éboulement, c'est trop fort, les mecs. Retirer. On va acheter éboulement. On va acheter non mais putain, par contre, vous pouvez... Merci. On va acheter éboulement et on le met à Machoc, les mecs. Putain, ça va être tellement fort. Parfait. Et là maintenant, regardez. On va... Comment j'apprends un objet? Boîte à objets. Éboulement. Apprendre. Jean-John. À la place de force, hein, bien plus puissant que force. Surtout que en 3G, je sais pas s'il y a des Pokémon qui résistent à la fois à éboulement et force. Je crois qu'il n'y en a pas en 3ème génération, hein, des Pokémon qui résistent à combat et roche. Hein. Vu que c'est quoi les Pokémon qui résistent? C'est Exagide, les spectres sol et tout. Je sais pas s'il y a des Pokémon qui résistent combat et roche en 3ème génération. Je suis pas sûr. Donc du coup, c'est hyper fort. Balayette, éboulement. Non mais c'est trop fort en vrai. Il y a Hermure, non. Kaorin. Kaorin, oui. Kaorin, c'est vrai. Je me demande si c'est pas le seul Pokémon du jeu qui résiste... Force, c'est normal. Oui, mais c'est pour ça que j'ai... Comment on sauvegarde? Ah. Sauvegarde. Non, Hermure est neutre au type acier, au type force, les mecs. Au type... Nidoking, oui, Nidoking aussi. Ou alors, ça fait quoi de se... Nidoking, Nidoqueen. Charmina, ouais, il y en a quelques-uns. Ça fait quoi de se retaper un donjon mystère? Bon, pour l'instant, ça va, je t'avoue. Pour l'instant, ça va. Bon, eh bien, écoutez, les enfants. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce premier live. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain pour évidemment la suite de Pokémon Salty Platinum et vendredi prochain peut-être pour Pokémon Donjon Mystère, mais c'est pas sûr. Allez, je vous fais des bisous les mecs, je mettrai la rediffusion de ce truc demain samedi ou dimanche, je sais pas encore. Je vous fais des bisous, bye bye, tchou.